Ok, on va envoyer des patates, on va envoyer des patates. On met ça, ensuite il faut que je mette la cage parce que là... Hey, salut à toi, jeune cacheur, c'est Zonatix, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite de notre petite série. C'est déjà l'épisode 5 et aujourd'hui je vais vous présenter un deck qui vous permettra de monter quelle que soit la saison, la méta, etc. Vraiment un deck que vous connaissez pas. Franchement, il y a très peu de gens au niveau de la communauté CAO qui le joue, puisque c'est un peu un deck fait maison, mais très hard. Donc voilà. Donc pour la nouvelle série que je vais bientôt lancer sur la chaîne, je vais en fait essayer vos decks et vous dire s'ils sont OP, je vais les modifier. Donc voilà, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires si vous avez du mal à rush. Donc voilà. Donc voici le deck en question, c'est un deck Molos. Je sais qu'il y a trois légendaires, Molos, Dragon de l'Enfer et Mineur, mais c'est un deck très solide. Franchement, vous pouvez éclater du 2.6, du Cochon, du PK, du MK. Donc voilà, même du ballon, franchement c'est vraiment très lourd, la Kaja Goblin elle fait le taf, même du Zappy aussi. Donc je vais essayer de vous donner un maximum de conseils. Donc s'il y a des cartes que vous ne possédez pas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Allez, on y go. Donc on va se faire trois petites games où je vais essayer de vous donner un maximum d'astuces. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Alors si votre adversaire il a Electro Sorcier, puisque je pense que c'est une carte qui va bien au counter par rapport à notre... Ok. Par rapport à notre Dragon de l'Enfer, parce que imaginons qu'il joue, je sais pas moi, il joue MK, donc il va mettre son MK à fond de map, ensuite il va mettre son Electro derrière, et ça va être un peu compliqué pour, voilà, donc n'hésitez pas à mettre votre, mineur pour aller choper l'Electro. Oui, le dragon, non, tu dois rester in life, parce que là on n'a pas envie de dépenser des, ah là là, ok c'est bon. C'est bon, qui a l'avantage? Ok, j'ai l'avantage. J'ai pas envie de démarrer avec un Molos, mais en même temps, je suis... D'accord. Ok, on va laisser taper. On va laisser taper. Puisqu'on avait plus, la main. On va mettre le mineur. Là, il est violent, en fait. Il est très agressif. Alors, je sais pas si le... Oh là là, il a... Ok, bon, on va mettre poison. On va mettre poison. Oh, depuis, est-ce qu'on arrive à... Ouais, ok, on a éliminé le... Ça peut être très bien. J'ai envie de tenter un truc. Je vais voir si je peux le pousser sur l'autre lane. Quoi? Oui? Oh non. En fait, c'était bien essayé. Franchement, c'était bien essayé de ma part. On va mettre la cage. Et ensuite, on va mettre les gardes. Ça peut faire le taf. Enfin, c'est pas que ça peut. Ça va faire le taf. On est là pour ça. On va laisser taper. On va faire ça comme ça. Mineur. Ok. Ok, bon, là, il a repris l'avantage, mais on connaît pas toutes ses cartes, par contre. Il nous réserve un truc, là. C'est du golem rage ballon. Là, on va partir en freestyle. Ok. Ok. Ok, c'est bon. On arrive à mettre les gardes. Ça peut être super. Ok, c'est bon. Mais il a pas de bâtiment, on aurait dit. Hein. Allez, on lui envoie le TGV. Hein. Il a mis deux. Ok. Faut que j'arrive à choper celui-ci. Ok. On va envoyer des patates. On met ça. Ensuite, il faut que je mette la cage. Parce que là, il va envoyer un... Ouais, il est trop chaud. Faut que j'envoie les gardes. Faut que j'essaie de pré-shot comment ça s'appelle. Ouais, on va mettre poison. Ensuite, on va mettre mineur. Ok. Là, on le force à jouer. Ok. On a déjà cyclé. Oui. Ah, super. Franchement, en fait, je l'ai forcé à jouer plein de petites cartes parce que je savais que j'avais le poison pour nettoyer, que j'avais le mineur pour aller chercher son électro, son archer magique, etc. Et après, j'ai essayé un move. J'ai essayé de balancer la boule de neige pour dévier l'archer magique. Ça a fonctionné, mais la portée est tellement élevée que voilà, il est retourné à la charge. Donc, vous avez vu la puissance de ce deck.
On était en difficulté, mais on a réussi à remonter la pente. Vous vous rendez compte? Vous imaginez, vous avez de l'eau et qui remonte. Vous voyez le truc ou pas? Donc, on a un Asiate en face. Alors, quand vous avez le molosse dans les mains comme ça, vaut mieux pas le jouer. Vaut mieux jouer le mineur. Parce que vous imaginez bien si l'NTDE ou bien le Dragon de l'Enfer ou bien voilà. Oui, 2.6. C'est du 2.6. Il faut qu'on cycle. Ok. Il faut qu'on cycle sur. Sur la cage, sinon on va être en PLS. On va être en PLS. On est loin de la cage là. On est loin de la cage. On est loin de la cage. Est-ce que c'est bien ça? Ok. D'accord. Il a joué son bâtiment. Bon, vous avez vu quand je vous dis qu'il faut jouer tempo. Ok. On va laisser taper. On va laisser taper parce que en fait je pensais que c'était du 2.6 mais c'est du mineur, peut-être que c'est du mineur sapeur. Je connais pas ce deck. Ok, super, on va aller choper. Ok, on va aller la choper. Et ensuite on met poison. Ah là on a vraiment très 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 forcé parce que j'ai voulu pré-shot ses squelettes. Et là ça fait le job. Vous avez vu comment c'est puissant, c'est surpuissant. Non franchement les gars, vous allez monter à 6300, 6600, vous allez monter très haut. Vous avez vu que j'ai rush un peu les je suis en train de rush les 6k3, mais j'ai pas trop le temps. J'ai pas trop le temps malheureusement. Malheureusement. J'espère que je vais pouvoir faire ça avant la fin de la saison. On a ballon. Vous avez vu comment ça défend très très bien. J'étais même pas obligé de mettre le dragon de l'enfer. Quoique, faut pas que je raconte des bêtises, sinon j'aurais pris une patate. Bon, j'ai pris une patate, mais on va dire que le ballon aurait connecté et j'aurais reçu 4 fois plus de patates. Voilà. Mineur. Allez. Oui. Ah, c'est dommage. Oh là, faut que j'arrête moi. Ok. D'accord, il a joué son bâtiment. Du coup, moi, je vais jouer mon molosse. Là, si je joue son ballon, je mets la cage et ensuite je mets le. D'accord, ok, super. Est-ce que c'est super? Je sais pas. Je ne sais pas. Parce que là, ça va être violent sans qu'il envoie. Ça va être très, 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 très violent. Oui. Ok, les gardes, faut rester in life. Là, il faut qu'on mette le poison. Et ensuite, c'est du GG. GG win. Si on arrive à mettre... On met la boule de neige. Franchement, on envoie tout. On envoie tout. Il reste 8 secondes. On envoie vraiment tout. On a pris la tour. On met la cage. Vous envoyez tout, vous envoyez le caviar, vous envoyez les popcorn, les chips. Franchement là c'est comme au cinéma. On est là pour passer du bon temps. Donc voilà, vous envoyez tout, vous vous gavez. Donc encore une fois on avait, est-ce qu'on avait le match-up? Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'on avait le match-up? Franchement je pense oui et non. Parce que pour défendre son ballon, on a quand même mis pas mal d'élixir, mais en même temps, franchement les gars, la clé de la victoire, si vous voulez arriver le plus haut possible, c'est jouer tempo réfléchi. Donc là, j'avais le mineur, je l'ai balancé en premier, et le molosse, je l'ai gardé. En sous-marin, c'est une expression. Donc franchement, c'est que du bonheur prédictif. Je pense qu'on va se balancer... Allez, on s'en fait deux autres, hein. Ouais, je pense qu'on va s'en faire deux autres. Parce que le deck est juste insane. Je pense que vous êtes pas prêts. Toutes les personnes qui vont l'essayer et qui vont réussir à monter avec, dites-le dans les commentaires. N'hésitez pas à partager. Franchement, c'est que du lourd. Qu'est-ce qui se passe là? On a du mal là à chercher aujourd'hui des adversaires. Ils ont peur du molosse. Je pense que je vais continuer avec. Mais qu'est-ce qui se passe? What? Il est quelle heure? Oh, y a plus personne sur le terrain. Ah, enfin, on a trouvé une game. C'est pour ça qu'en général, je zappe, hein. Je zappe. Parce que ça prend parfois beaucoup de temps. Ok. Alors, c'est vrai que ça sera un peu compliqué avec un deck. D'accord. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets la petite le petit bébé dragon? Ouais, on va être obligé sinon on va se prendre des patates. J'ai pris trop de temps pour rien. Ok. Est-ce qu'on joue... Ok, Dragon de l'Enfer pour essayer d'éliminer le...
Vous imaginez s'il a électro? Ah, il a pas électro. Il a pas électro. On va mettre les gardes. Après, j'aurais pu mettre boule de neige. Je pense que ça fonctionne assez bien. On va aller choper le sorcier de glace. Ouais, pourtant... What? Mais pourquoi? Ok, super. Il a dévié... Là, il a perdu sa tour. Oh là 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 là! Non, c'est trop fort. C'est trop fort. On veut un nerf. En fait, le Molo, c'est une carte que j'ai toujours aimé, mais franchement, on va pas se mentir. Le problème sur Clash Royale, c'est que vous pouvez pas augmenter toutes vos légendaires. Alors là, j'ai envie de tenter un truc. C'est mettre la cage Goblin pour tanker les dégâts de la Tesla. Et ensuite, mettre mon Dragon de l'Enfer. On va tenter. Et ensuite, je mets... pas mon Dragon de l'Enfer, mon bébé dragon. Ensuite... mauvaise idée. On va tenter le... Ouais, je l'ai très mal placé. On joue mineur. On joue très très agressif. Mais on peut. On peut se le permettre parce que l'adversaire n'a pas trop de troupes pour défendre l'aérien. Et je pense qu'on peut, on peut prendre sa deuxième tour. Non, mais là, il voit flou. Il voit flou. Là, il a envie d'abandonner, là. Peut-être qu'il a abandonné. Donc, quand vous avez le fût, c'est soit vous défendez avec... la boule de neige ou bien avec comment ça s'appelle les gardes. Ne mettez surtout pas de poison les gars, s'il vous plaît, ne me faites pas pourquoi j'ai mis... ouais, il a abandonné. Donc aujourd'hui sur la Zonatix TV, maintenant que j'y pense, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord si vous avez des questions par rapport à ce deck. Là, c'est un manque de respect. Vous mettez le poison au niveau de la rivière, c'est un manque de respect total. Total. Non, c'est trop insane. Non, mais c'est trop insane. Pour l'instant, on est à 3-0. Franchement, voilà. Oh là 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 là. Les gars, pour toutes les personnes qui sont arrivées jusque là dans la vidéo, mettez deck incroyable, parce que c'est le cas. Franchement, c'est le cas. Est-ce que je force avec... Non. On a The Tempo. Ok. On va juste mettre notre bébé dragon. Et ensuite, on peut balancer sur un molosse, hein. On peut balancer sur un molosse. Ah, c'est de l'arc X. Qu'est-ce que je raconte? Princesse. Ok. Ouais, là ça va être... Là j'ai pas joué de façon réfléchie, j'ai vraiment voulu forcer. Mais c'est pas très bien joué de ma part. Vous me connaissez, je suis un gars qui joue de façon tempo. Waouh! Ouais, ça va, je suis pas trop satisfait. Il a repris l'avantage, on va gratter avec le mineur. Pourquoi j'ai gratté là? J'ai pas vu la tour de gauche. Est-ce que je joue poison? Non, on va pas jouer poison, on va mettre le bébé dragon. Ensuite, c'est compliqué. Il faut qu'on le force à jouer sa TDE. C'est vraiment... Ouais. De toute façon, s'il y a des cartes que vous avez pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous dirai par quoi la remplacer. Ok, on va mettre ça comme ça. C'est pas bien joué. Hein. Franchement, c'est pas bien joué. Je sais pas trop ce qu'il a. Ah, il y a moyen là. Oh, mais poison, il nous donne la value. Par contre, je pense qu'on va rush le tour. Et ouais. Ouais. D'accord. C'est pas grave, on met notre molosse. Là, en fait, au début, en x1, faut limiter les dégâts que vous allez recevoir. Et sinon, après, ça peut... Et là, on va balancer. Hein. On va balancer. On va essayer de faire un pré-shot de sa TDE. On va mettre sort de poison. On va mettre comme ça. Ça passe toujours pas? Mais what? Non. Ok,
ça va. Est-ce qu'il va réussir à choper la princesse? Ok, super. Là, on peut mettre... Voilà. Le mine... Ok. Là... Oh là 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 là! Il joue bien. Il joue bien. Et là, j'ai fait un pré-shot avec mon poison. J'ai pu choper le gang. On remet le molosse. Hein. Franchement, les gars, on appuie. Lui, il gratte. On va mettre... les gardes, ensuite, ok, super, on peut aller choper ça, on a mis le poison, là, on peut partir, là, on part là vers la victoire, là, je mets le dragon de l'enfer, ensuite, à moins qu'il a cyclé encore une fois sur, ok, oui, oh là là, il a joué ça, oh là là, on va aller chercher la princesse avec le mineur. Là, ça passe toujours pas. On va mettre bébé dragon comme cela. On va mettre poison. Ok. On met la cage. Parce qu'en fait, j'essaie de cycler sur... Non. J'ai un problème de connexion. Non. Mais c'est quoi ce bordel? J'étais en train de gagner, j'ai eu un problème de connexion. Non, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais quand même vous laisser la dernière game parce que j'ai trouvé qu'elle était vraiment insane. Bon, j'ai perdu parce que... à cause de ma connexion, mais je pouvais la gagner cette game. Donc voilà, on va récupérer le petit coffre et on va se quitter là-dessus sur le 5e épisode, si ma mémoire est bonne. What? On a 2 coffres à récupérer? Qu'est-ce qu'il y a de bon dedans? Ok, ouais, ça va. C'est la seule commune que j'ai pas encore maxé. En fait, quand je dis maxer, c'est les cartes nécessaires pour maxer la carte. Bien évidemment, parce que les gold, il me faudrait 1 million de gold. Voilà. Donc, en tout cas, je vous laisse sur ce deck. Franchement, c'est juste insane. Je vous encourage à le jouer, à le monter. Et franchement, vous allez monter très très haut. Moi, j'ai ça en face, je peux rien faire. Non, mais c'est juste insane. Donc voilà. Après, peut-être qu'il y a des petites modifications que vous pouvez faire. Mais pour l'instant, je trouve qu'il est assez complet. Donc, je vous invite à le jouer tel quel. Et voilà, après, vous pouvez toujours le mettre à votre sauce. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce nouveau épisode, enfin, la suite de la série. En tout cas, c'était tout pour moi. C'était The Natix. Oh!